j'ai découvert We Are PlayStation il y a plusieurs années, en fait, au début de la PS3 avec la communauté Players Republic. Et j'ai évolué avec tous les sites qu'il y a eu entre temps, We Are PlayStation, la première version, et la nouvelle version bêta qu'il y a actuellement. La nouvelle version de We Are PlayStation, je la trouve vraiment très sympathique, notamment pour cet aspect message court, partage rapide avec les gens, qu'on peut avoir très rapidement, échanger une idée sur un thème, un nouveau jeu. Je trouve ça vraiment très sympathique. Échanger au niveau d'un jeu en ligne, c'est une expérience supplémentaire, c'est une continuité de l'expérience de partage qui est le jeu vidéo au départ. Les jeux préférés chez Sony en ce moment, c'est Uncharted. J'aime beaucoup la licence Uncharted. J'aime aussi beaucoup tous les titres qui sont un tout petit peu différents, qui ne sont pas vraiment dans la continuité d'une série existante. Et du coup, récemment, j'ai beaucoup apprécié Gravity Rush. Je me suis inscrit à 80% des communautés de We Are PlayStation. Essentiellement des titres sur lesquels je possède le jeu, mais aussi des titres que j'attends. Il y a beaucoup de choses que je garde de la Gamescom, notamment le fait qu'il y a eu beaucoup d'annonces sur les titres cette année. Il y a eu Tear Away qui m'a vraiment impressionné. Merci d'abord pour cette invitation à la soirée de Little Big Planet. Ce qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est l'aspect bidouillage. J'adore le côté créatif du titre, le fait de manipuler des textures et des matières différentes, partager aussi ses créations avec les autres joueurs. C'est un aspect qui me plaît beaucoup, même si malheureusement je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je suis effectivement satisfait d'être player du mois. C'est à la fois un privilège et une grande satisfaction, puisque c'est la première fois que je participe à une bêta pour un site. Et être player du mois, ça fait toujours plaisir. We are the player, we are PlayStation.